suis Westland 2. Alors logiquement sur Twitch ça aurait dû faire la mise à jour. Ça a fait la mise à jour. La mise à jour. Ok, donc on est parti. Oh, ça fait du bien de se retrouver sur le jeu. Par contre ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop le fait que ça bug. Ça ne me plaît pas trop. Ça, je le mets en pause. Ça, je le mets là, comme ça. Allez, lance-toi. Je pense que c'est vraiment le plus gros problème du jeu, quoi. Ouais, ça doit être les chargements qui sont super longs. C'est un truc de fou. Welcome to the shit room. Alors, est-ce qu'il y a des gens sur le chat? Ouah, le jeu arrête pas de... Westland 2 ne répond pas. Non, ça va venir, vous inquiétez pas. Et que je m'inquiète pas non plus en fait, parce que je m'inquiète un petit peu là. Allez, s'il te plaît. Au pire, je dois redémarrer le jeu. Ça fait chier, ça. Ah, salut Sambot. Salut Sambot. Ça je verrai après. Ok, le jeu c'est bon. Hop là, il s'est lancé. Alors on s'était quitté. Alors déjà pour ceux qui n'ont pas vu. C'est parce que tu laves que les temps de chargement sont multipliés par deux. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Ben salut à toi déjà. Et si tu veux voir le... Le début du playthrough, c'est sur ma chaîne YouTube ou alors c'est en highlight sur Twitch. Voilà. Donc c'est parti. On est à Hikepool. Scorpion rouge. Hein, les scorpions rouges, Dieu merci. Coucou. Alors une jeune femme effrayée tremble et tressaille à chaque craquement sourd et métallique provenant des hommes. Dans la pièce voisine, en train d'essayer de forcer un coffre fort quand vous apparaissez. Vous regardez avec une lueur d'espoir dans les yeux. Attendez, vous n'êtes pas escorpion rouge, du ranger, c'est encore mieux. Mes chevaliers en armure de cuir. Aidez. D'affaire quoi? Trois voyous ont débarqué ici et ont tous saccagé pour trouver des objets de valeur. Ils sont encore là, juste à côté. Ils essaient de forcer le coffre et je garde ma dot. Ok. Arrêtez-les, s'il vous plaît. Alors, la pièce à côté. Que je regarde s'il n'y a pas des trucs à ouvrir. Ah, un grippin. Ce grippin a besoin de réparation. Alors, ça tombe bien. J'ai un réparateur de grippin. Ce jeu fait penser à Dead State. Un jeu qui contre par tour. Dead State, ça ne me dit rien. Faut que je check. Mais moi, il me fait penser à Fallout 1 et 2. Lentille de contact. Waouh, super. Dans un grippin, il y a quand même des... Je juge pas. Dead State. Non, ça me dit rien du tout, Dead State. Merde, j'ai fait une connerie. Ah, de la dynamite. Ok, distribue tout. Tac, tac, tac. Ok, alors ils sont dans la pièce à côté. Il est sur Steam et il est au top. Il est top. Ouais, ben je verrai, je vais regarder.
Date State. Je pense qu'il y a un là-dedans, un là. Lâche. Ah bah faut leur parler. Pied de biche. Quoi il s'appelle Pied de biche? Je sais pas comment. En même temps j'ai une meuf qui s'appelle Bombe Cerise. Ah bon sang Ranger. Écoutez, on veut juste un peu de matos, pas besoin d'être désagréable, laissez-nous prendre ce qu'on est venu chercher et on s'en ira. Ah bah tu me donnes même le lien, ça c'est sympa. Hop, juste le mettre en favori. Dead States. Ah! Je voulais l'acheter en plus ce jeu, je savais pas s'il valait le coup. Bon, on pourra l'avoir moins cher sur G2A, y a pas de souci. 13 février seulement. Putain, je connais pas ce jeu. Est-ce qu'il est en français par... Non, il est en anglais. Bon, c'est pas grave. Celui-là aussi, celui-là, il est en français. Ok, hop, ajouter aux favoris. Hop là. Alors, un gros dur. Désagréable, ça va tourner vite. Très bien. Cool. Alors, non, j'ai une meuf qui a gros bras. Bah, c'est elle. Non, c'est pas elle, d'accord. Ah, il faut 4 en gros bras. Moi, j'ai que 3, donc on va désagréable. Ça part en fight, ok. Alors elle a les poings. Donc on va lui casser la gueule. Raté. Le seul hic, c'est qu'il est en anglais, ouais voilà. Développeur indépendant anglophone. Ouais donc on peut attendre un bon moment avant que ce soit en français. Bon c'est pas un souci limite. Enfin si un peu, parce que l'anglais c'est un peu chaud quand même. Après si c'est de l'anglais basique, ça devrait aller. Alors, 46%, 66%, vas-y. Faut quand même le faire pour être aussi mauvais, quoi. Ok, le gars, il a la M1. Voilà, lui, j'ai touché. J'ai touché. Et ce sera tout pour moi. Alors, la meuf aux pompes, ça va se passer autrement. Voilà. Touche, ça fait plaisir. Fin du tour. What? En même temps, je suis pas très fort avec les armes. Pff, mec, oh putain, en plus, elle me blâme quoi. Mec, faudrait peut-être apprendre à te battre, hein. Ok, profitez, on va vous exploser. Enfin, non, en fait, c'est des sacs à PV en fait. Pff, et en plus, ils ont des pompes. Ok, lui, il est mort. Ah non, il est pas mort, d'accord. Un homme plutôt feinteux. Ah putain, faut qu'elle recharge. Je pense qu'on va du coup, elle peut pas tirer. 25, 25, 35. Je me débaffe. Alors, par contre, pour le pompe, ça va être un peu chaud. Faut que je me mette là. Ouais, elle risque de prendre. Non, elle a pas pris, ça va. Ok, lui il est mort. Ça c'est bon. Okay, par contre, ça va être à lui juste après. Je vais t'ouvrir la tête un clou après l'autre. Putain, avec le pompe lui il fait super mal. 46 et 66. Par contre, elle est devant. Arme enrayée, putain. Comment je fais quand il est enrayé? Essaye de viser à côté la prochaine fois. Peut-être que tu arriveras à les toucher comme ça. De violence, hein. Mais non, t'es sérieux? Toutes mes armes elles s'enrayent quoi, putain, c'est pas le moment en plus. Ok, lui il est mort, ça va. Avec son pompe, on pourra peut-être le choper après. Voilà, c'est sûr qu'il y a que 25%. J'ai failli passer. Avec 25% de chance de toucher, ça va pas le faire quoi. Vas-y, mets-lui une balle. J'ai failli toucher le. Putain, comment on fait quand l'arme est enrayée? D'accord, débloqué, tout simplement. Et du coup, il peut plus rien faire. Ah, elle, lui, peut-être qu'il peut tirer. Et vu qu'il faut que 4 PA pour tirer, c'est nickel. Hop là. Ah, j'étais à peu près. Oh putain, je lui ai arraché un bras carrément. C'était chaud, c'était chaud. La hallebarde, dumpstar et pied de biche.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un cogneur de clodo. Ouais. C'est tout? Non. Ok, ça s'appelle se faire enculer quand même. Un tout petit peu. Ok, donc on va ouvrir le coffre. Fermé. Alors, hein, du monde ne le débrouillera pas. Sérieux, même pas un petit forçage de coffre? Ah bah voilà, nickel. Échec, ok, on recommence. Ah, ça me fait vraiment penser à Fallout 1 et 2 quand même ce jeu. Et il est excellent, il y a de l'humour comme dans Fallout justement. Et dans le premier épisode sur YouTube, on trouve une note pour Jess Bell. On trouve... comment ça s'appelle? Un grippin. Et genre t'as un rayon de soleil qui va... On est dans une grotte et y a un rayon de soleil qui va dessus. Ça fait genre grippin sacré, tu sais. Je trouvais ça plutôt drôle. Ok, donc je dois retourner voir la meuf qui est passée je sais pas où. Peut-être qu'il y a le brouillard de guerre justement. Hop. Mais Fallout c'est un FPS tactique. Fallout c'est un RPG. RPG, RPG, ouais. Non, je parle du 1 et du 2. Le 1 et le 2, c'est... Merde. Le 1 et le 2, c'est au tour par tour aussi. Fallout 3 et New Vegas, c'est... ouais, c'est un RPG FPS tactique, on va dire. Enfin, tactique, je suis pas encore sûr. Les Fallout bien, donc le 1 et le 2, c'est pas des fesses. Oui, voilà. C'est ça. Merci, Sukata. Ok, elle est la petite dame. Conversée. Oh, preux chevalier, merci infiniment. Ma vie aurait été gâchée si j'avais perdu ma dot. Avant de partir, mon père s'était assuré que j'ai ce qu'il faut pour me marier à un homme bon. Je n'ai pas encore trouvé l'homme suffisamment bon, mais lorsque ça sera fait. Oh, elle est plutôt bien, hein. Ma dot, le persuadera de m'aimer et de m'épouser. En gros, t'es une prostituée, un petit peu. Que tu donnes de l'argent. Oui, juste c'est le 3 qui ont changé. Et le New Vegas aussi. Ils ont changé car ils ont changé de développeur. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais, au sujet de votre dot, on a trouvé cette note dans le coffre-fort. Quoi? Quelle note? Ce n'est pas possible. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ranger, je ne peux pas vivre dans ce monde sans un bon mari. Je ne peux pas survivre. Oh mon dieu, Ranger, j'ai besoin que vous trouviez et rapportiez ma dot. Aidez-moi, Ranger, vous êtes mon seul espoir. Ok. Soyez béni, méfiant chevalier. Mon père ne m'a jamais laissé la voir, mais il dit qu'il l'avait gravée avec mes initiales quand je suis né. Il disait qu'elle était aussi magnifique que moi, c'est tout ce que je sais. Ça m'aide pas beaucoup en fait. Ça m'aide pas beaucoup. Passe un petit appel là. Un rapport. Est-ce que nous faisons... Congratulations, Echo One. You've done well. Alors, 12 secondes. Ça, c'est fait. Il n'est pas multi Westland? Nope. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas en multi. De ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu, il n'est pas en multi. Et je crois qu'il n'y a même pas d'option dans le menu, donc à mon avis, c'est pas en multi. Ah, bienvenue à toi, Sambot. Merci d'être follow, ça fait plaisir. Ce que je voulais. Ouais, voir dans les compétences si j'ai assez de points. Ouais, j'ai assez de points. Alors. Lui, c'est mon personnage principal. J'aurais pas dû mettre autant de points un peu partout.
lèche-cul. Hein. Non, petit malin. Là. Ouais, confirme. Fusil de précision. Ouais, on va valider les points. Fusil à pompe pour celui-là. Pour Anita Lichong. Alors t'as informatique perception. Alors je peux mettre 3 points dans informatique. J'ai fait une petite. Putain, j'ai mis 4 points dans. Ah oui, bah oui, okay, c'est déjà à 3. Du coup, ce qui serait pas mal, ce serait de mettre tous mes points en crochetage en fait. Et elle a qu'un point. Ce qu'on va faire, voilà, mais en fait on a fini, alors que je regarde dans mon journal, enquêter sur l'étranger en métallique, ça on a fini, non? Il faut que je rentre dans la citadelle. Retrouver la dot. Le père a perdu sa dot au jeu et elle voudrait qu'elle... elle dit qu'elle a gravé ses initiales dessus. Mais sur quoi? Quand elle est née, il faut espérer que ceux qui l'ont gagné l'ont conservée. À mon avis, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Moi je pensais que ce serait la mission principale là, mais pas du tout. Du coup on va ressortir. On va continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le sub alerte. On commence à avoir un petit peu de monde. Hein. On est 5, c'est pas énorme, mais c'est déjà plus que d'habitude. Ouais, juste faire ça. Pas la donation alerte parce que c'est complètement bugué, c'est complètement chelou aussi. Du coup on va l'afficher au live. Capture de la fenêtre supprimée. Tac tac. Alors je vous demande 2 secondes les gens. Capture de la fenêtre, tac, mine alerte, check. Centré horizontalement. Crustacean couleur. Ok, voilà. Si je fais ça et que je fais test follower, ça s'affiche. Ok, nickel. Donc on continue. Et du coup, ça on le met un peu, on le descend un peu, pas trop. Voilà. Ok, alors où j'étais pas? J'étais pas là en bas. Bah, j'ai un peu pour protéger toute la zone là, non? Ça suffit pas comme ça? Faut que j'aille, je sais pas où. Alors déjà faudrait que je trouve la sortie pour me repérer un petit peu. Ah, moi je suis arrivé par là je crois, non? Ouais je suis arrivé par là. Alors de là faut partir tout droit et normalement tu devrais trouver un truc que t'as pas encore exploré. Pas du tout. Ouais, à mon avis, l'objectif, on devrait plus le trouver. Par là. Ah, attends, là, il y a le mortier. Et ça tirait en direction de là. Ici, il n'y a rien. On peut pas monter. Mais il faudrait qu'on monte. Là où il y a un gars mort, ok. Comment on pourrait faire ça? Parce qu'il nous dit dans le truc des missions... Protéger avec poule. Si je prends une bande de pierres, appelez les démolisseurs. Nous allons devoir nous battre pour passer au travers et rejoindre la ville. Donc là, on n'est pas encore dans la ville. Est-ce que sur la gauche, là... Pas... Ah, et voilà, il y a un chemin. C'était sûr. J'ai fait une mission pour qui? Pour il y a 5 minutes. Ta ta ta. Qui à mon avis on va croiser de la résistance. Ça va être galère. Ok, déjà il y a de l'ennemi là je crois. À moins que ce soit de la li... Ah, on peut passer par là? Ok, donc à mon avis, il doit y avoir un coffre ou une connerie comme ça dans le coin.
Il y a un citadin, donc ça veut dire que c'est pas hostile dans le coin. Un homme grelottant marmonne en se balançant sur place. Il a clairement perdu l'esprit. Mourir, tuer. Pas méchant quand même. Salut toi, on est là pour sauver tout le monde des Mélissards. En mode gros lèche-cul, voilà, on peut le tuer. Bon, on va pas le faire. Ouah! Quoi? Oh mon Dieu, soyez bénis, Ranger, vous allez nous aider. Comment pourrais-je jamais vous le rendre? Les sauvetages, c'est pas donné, vous en ferez quoi en échange? Quoi? Sérieusement, on n'est pas fauché. On est un peu fauché en ce moment avec toute la ville détruite. Si vous n'aviez pas remarqué, vous voulez vraiment que je vous paie, vous les Rangers, vous n'avez pas changé d'un iota malgré les années, toujours une bande de connards égoïstes. Oups. Prenez pas d'un. Ah putain, j'aurais pas dû faire ça. Du coup, y a pas moyen de recharger une sauvegarde. Tant pis. Putain, ça fait deux fois que je me fais avoir, quoi. Il y a un sac poubelle, vas-y. Oh, nickel, hop là, tout distribué. Tu peux te servir dans tout ce que j'ai pu lancer mon cœur. Un homme mince avec une casquette de baseball couvrant ses cheveux et un regard bovin s'allonge devant vous. Il sent comme si un putois s'était accouplé sur sa jambe. Ouh, c'est un peu violent quand même. C'est dingue, mais il y a vraiment de mauvaises vibrations ici. Ça me pourrit mon chi. Chai. Ah, vous étiez tous là du genre, oh là, mon étrange compadre. Oui, c'est un peu chelou quand même. Montez vraiment, je bois ma force vitale le matin. Mon âme sœur est là-haut, à Eggpool. Oh mec, Eggpool, ça vole pas haut comme nom. Ah, tu sais, ouais. Je disais quoi déjà? Quelle âme magnifique, t'as vu? Blablabla. Notre devrait répandre l'amour. Ouais, bon, c'est bon, je vais t'aider, mais tais-toi, quoi. Définie tente. Ouais, ça, c'est plat. Réservoir de combustible volatile. Ah, hop là, la grille, la caisse, le coffre. Je suis sûr qu'il est fermé comme d'hab. La prière du monde ne les ouvrira pas. En Paris? 94, 93%, ça devrait le faire quoi. Hop là, on distribue automatiquement. Par ordre de bezooming. Par là, il me semble qu'il n'y a rien. Si je me tourne comme ça, c'est le chemin par où on est passé. Ici, il n'y a rien d'intéressant. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est des gros tuyaux. Ça, c'est des gros tuyaux. Mais où est Mario? Ok, un gilet et épaulière. Ça, c'est de la merde. Ouais, après, tu peux pas monter plus haut, quoi. Sauf s'il y a un manque. Spotted. Ouais, je suis un peu con aussi, il y a marqué ouvrir piégé. Du coup, je prends du dégât quoi. J'ai vraiment trop con quoi. J'aurais dû utiliser la perception. Il y a un sac. Ok, là, celui-là il est pas piégé. Hein, du tabac et de l'argent. Need. Non, pas ici par contre. Faudrait que tu reviennes ici seulement. Du coup, on va continuer, on va se diriger vers le barrage. J'ai vu des gens, j'espère que c'est pas des ennemis. Ah bah ils sont. Ils vont crever.
Ok, ça commence. Au moins, on a des alliés avec nous. Watcha, watcha. Je me suis fait super mal. Ouais, du coup, ça va être un peu chaud de vous cacher tous, quoi. Vas-y, toi, tu vas te mettre là. Et tu peux plus tirer. Ah, mais t'es un sniper, donc c'est un peu con de te mettre aussi loin, mais c'est pas grave. Toi, va falloir te battre à main nue. Toi, OM1, va falloir... Ok, elle oublie déjà plus cette conne. Bon, du moment qu'elle joue bien, ça va. Elle va se faire défoncer. Oh, elle a touché, non? Touche à peu près. Tout sauf Narcisse, cool. Je vais te mettre là. Avec ta pompe, vaut mieux que tu te rapproches en fait. Ah, ils ont un pompe aussi. Ouais, donc ils nous aident en gros. Si on serait arrivé trop tard pour le combat, ils seraient morts. Plutôt stylé. Ah, elle va se faire défoncer. Ah bah elle est morte. Ok, toi avec le petit flingue, tu vas te mettre un peu dans la merde. Toi tu vas là-bas. Et du coup tu vas essayer de le toucher. Non, t'es trop loin. Ouais, ils sont beaucoup, on va se faire défoncer. Ok, il m'a raté.